Des souvenirs douloureux à la tuque. De 1963 à 1978, des centaines d'enfants sont envoyés au pensionnat. Le drame de Kamloops soulève la question, doit-on fouiller le site? Mais la réponse revient aux familles. We need to ask the families if they know of anybody, and if there is, and there was no information or confirmation of death or burial and so forth, we need to find that out in order for that family to have closure and be able to move on. Même à Kamloops, ça a pas, on croyait que ça n'existait pas, mais c'est arrivé. Mais peut-être qu'ici, on ne sait pas. Je pense que les recherches, là, c'est important de le faire pour donner des réponses aux cris, aux familles cris. Et bien que les territoires atikamekw soient relativement près de la tuque, ce sont les jeunes cris du nord du Québec qu'on arrachait à leur famille, qu'on envoyait ici se faire assimiler, parce qu'on voulait s'assurer qu'ils étaient suffisamment loin de leurs proches. L'histoire des victimes de Kamloops ravive de bien mauvais souvenirs à une ancienne pensionnaire. Madame Mary Coon raconte l'histoire de son amie enceinte. Le sort du bébé est encore à ce jour inconnu. Quand il y a eu l'amnistie à la gaz, il a dit qu'il avait entendu pleurer le bébé. Mais ils ont dit qu'il s'est réveillé, il a dit que le bébé était mort. J'ai tout en pensé, ils ont tué un terrain arrière de pensionnat. La ville de Latuque et les propriétaires d'une partie du site où se trouve maintenant un CPE se disent prêts à collaborer sans hésitation. Le terrain nous appartient, sauf qu'on est très solidaires des décisions que cette communauté-là prendra. Les drapeaux de Latuque sont en berne en guise de solidarité. Il faut dire que 30 % de la population latuquoise est d'origine autochtone. Aujourd'hui, c'est pas un terrain qui appartient à la ville de Latuque, à proprement parler, puis il y a déjà eu des travaux. Il y a eu aussi des travaux de démolition. C'est pour ça que je vous dis que je ne m'attends pas à ce qu'on retrouve ce genre de mésaventure. Les deux paliers de gouvernement ont promis d'assister les Premières Nations dans cette quête de réponse, dans une période où des changements concrets sont réclamés. Mes enfants, ils veulent savoir qu'est-ce que ça a vraiment passé. Raphaël Brouillette, TVA Nouvelles, à Latuque.